pas encore gris dans la plupart des régions. À l'image de ce ciel parisien, ça fait 5 jours qu'à Paris, on n'a pas vu le soleil de la journée. Et on n'avait pas vu ça à cette époque de l'année depuis 1945. Et ce n'est pas fini. Regardez avec moi l'animation satellite. On retrouve effectivement un ciel très nuageux, gris. Non, non, pas ça, une couche nuageuse très compacte sur pratiquement toutes les régions. Quelques éclaircies comme prévu près des Pyrénées ou encore sur les bords de la Méditerranée. Et très localement dans le nord. Tout cela s'accompagne depuis. Alors ça, c'est quand même la bonne nouvelle. Pluton en atténuation. Elles n'ont pas totalement disparu, mais elles sont en atténuation. Il en reste un petit peu là en ce moment dans le nord-est, ou encore ici, dans l'est de la région parisienne. En revanche, toujours des crues. Elles sont importantes, on l'a vu, durant tout le journal, notamment ici dans la vallée de la Seine, d'où le maintien de cette vigilance crue. Même chose en descendant vers le bassin de la Loire. Donc prudence encore, évidemment, pour les prochaines heures. On regarde l'évolution cet après-midi. Ben voilà, il y en a quasiment en partout. Quelques éclaircies quand même dans l'ouest, plus sûrement dans le sud, notamment près de la Méditerranée. Quelques éclaircies dans le nord-est, mais avec encore des averses. Regardez les températures, toujours pas de saison, mais quand même remonte un petit peu, quand même déjà à Paris, 22 à Strasbourg tout de même, et 25 degrés quand même à Toulouse ou encore à Gênes. Regardez l'évolution pour demain, c'est pas terrible, terrible, hein. Quelques éclaircies quand même dans l'ouest, plus on ira vers l'est, plus on retrouvera, notamment au cours d'après-midi, un risque d'averse. Hein. Donc les éclaircies vont encore être longues à venir, notamment de l'île de France, le nord-est, un petit peu mieux que les températures. Les températures, allez, ça va remonter un petit peu. Le matin, ça restera frais, 9 à 14 degrés dans la moitié nord, un peu plus parfois près de la Méditerranée, l'après-midi. Allez, les températures, pas tout à fait de saison, mais ça grimpe un peu, 18 à Paris, 21 à Lille, 24 à Bordeaux et jusqu'à 25 à Marseille. Allez, on regarde la suite avec votre journée de dimanche. Même chose, hein, je vous l'avais dit en début de semaine, voilà. Espérer une belle amélioration, ben, elle sera toute relative. Juste fait. On verra quelques éclaircies. Du centre à l'Île-de-France, à toutes les régions de l'Est, on conservera des passages nuageux avec quelques averses, voire même un orage en toute fin d'après-midi. Ça restera plus ensoleillé près de l'Atlantique et dans le sud. Ça sera la même chose pour la journée de lundi. Ah oui, amélioration très très laborieuse, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors quand même, la bonne nouvelle, c'est que ça, pratiquement acquis, les températures vont très nettement remonter au nord comme au sud, mais avec toujours dans le nord et l'est ce risque orageux. Allez, bon après-midi, très bien. Non.